Salut à toutes et à tous, c'est Ocrad. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay découverte sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour le gameplay découverte de NecroStory, la démo, je le précise. Même si j'ai une démo un petit peu plus avancée que vous, merci beaucoup au studio de me faire confiance là-dessus. C'est un jeu que je suis depuis un petit moment parce que j'ai bien aimé leur précédente production. Et donc du coup, on va se mettre sur un emplacement vide. On va se mettre en facile pour le moment, tranquillou. Le nom du personnage, Ocradus, je pense que c'est le minimum. Le masculin, Karma, oh. Donc c'est plutôt méchant, très méchant, extrêmement méchant. C'est un jeu qui doit sortir cette année, hein, donc en 2024, un peu sur toutes les plateformes, et ça c'est cool. On va se mettre en plutôt méchant. Je sais pas, je suis pas très très méchant. Ah, il y a de la custom. Négligé. On va se mettre en chaussée au moine classique. Le nez. Ah, long pif, c'est bien ça. Le chapeau. Oh, j'aime bien le capuchon de nécromancien. J'aime bien. Boucle d'oreille, du coup, bon, pas trop d'intérêt parce qu'on voit pas. Pilosité. Ah oui. Oh ouais. Ouais. Ça, c'est bon ça. Oh, nice. Oh, il a une bonne tronche là. Oh, il a une bonne tronche, mon nécromancien là. Ah ouais, non, il est bien là. Allez, let's go. On valide. Ceinture, par défaut. Catcher. bah moi, ce sera style JRPG. j'aime bien. Pic, crâne. Ah, les crânes, normalement. Ouais, on va mettre des crânes, c'est stylé. Robe, chic, simple. Simple, hein, j'ai une préférence pour ça. Alors, sélectionnez votre spécialisation magique. Alors, j'ai oublié de le préciser, mais c'est un RPG, vous vous doutez bien. L'école de magie d'affliction comprend des sorts qui infligent des dégâts au fil du temps, des poisons, des malédictions et des ralentissements. Ah. Ok. Ténèbres. Comprend des sorts infligeant de gros dégâts directs. Certains sorts peuvent aussi tuer les ennemis non-boss en un coup. Bah, let's go. Ah, invocation, j'aime bien ça aussi. Ah, j'aime bien. Vol de vie, c'est pas mal. Pacte sombre. Utilisez la puissance d'anciens démons après avoir signé un pacte avec eux. Mais non ! Mais non ! Déconseillez aux nouveaux joueurs car ces sorts sont cachés. Ok. Oh, c'est stylé quand même, par contre. Bon, je vais prendre invocation par sécurité, mais le coup du pacte, là, j'aime bien. Faites gaffe, les gars ! Le démon ne doit plus être loin. Un démon ? Baliverne, personne n'a vu de démon depuis la fin du règne des humains. En parlant d'humains, regardez ça. Un humain ? Et il semble en vie ? Ou en tout cas, il n'est pas complètement mort. Impossible, l'espèce humaine est éteinte depuis des années. Ça perd l'hypocrote, il va nous écrabouiller. Ou crafter de la soupe aux champis avec nos cadavres. Pas de panique, il est endormi. Mais c'est trop dangereux de le laisser en vie. Tuez-le. Comment cet humain a-t-il survécu à l'humanicide? Quelque chose cloche. Je vais envoyer les phéromones pour demander des renforts, on ne sait jamais. Ouais, ils mettent un paquet de temps. Ils mettent le paquet pour tuer un humain endormi. Quelle conscience professionnelle. Capitaine ! Hein ? Mais d'où vient ce démon ? Et où est passé l'humain ? Fight ! Balance un coup de poing avec la force d'un démon. Ok. Let's go. Oula ! Ah, c'est énorme! Allez, prends soin de ta gueule! Bam! Allez, bam! Exceptionnel! Ah, c'est bon ça! Ah, j'adore! «
Wow, ça chauffe là-haut. J'espère qu'il n'est pas trop tard, je ferai mieux de me grouiller. Ah, je l'ai trouvé. Et il est encore en vie, plus ou moins. Je n'aurais jamais pensé devoir faire ça un jour, mais il n'y a plus rien à perdre. Anima, cese tratum. Reversio. Alors, si vous vous demandez pourquoi j'ai des bandes noires, j'ai oublié de le préciser, hein, ici et là, c'est parce que je joue sur un écran 21/9. Voilà. Mais en soi, si vous jouez sur un 16/9, vous n'aurez pas de bandes noires. Hein, je vous préviens. Voilà. On dirait que ça a marché. Comment te sens-tu ? Où suis-je et qui suis-je ? Mince. La léthargie prolongée l'a rendu amnésique. Bon, ça simplifiera les choses. Je plaisante, je suis Ocradus, le puissant nécromancien. Et toi ? Tu es Vivi, la mâche blanche qui m'a mis en léthargie autrefois. Prépare-toi à mourir. On dirait que quelqu'un s'est déjà occupé de toi. Mais tu ne perds rien pour attendre. J'aurai ma vengeance. On en reparlera. On n'a pas beaucoup de temps. Les Shrooms sont déjà en route. J'entends des voix par ici. Appelez les renforts ! Ils arrivent. Allons-nous-en. Pas question. Tu t'en sortiras pas avec le bon vieux truc de « j'ai pas le temps de t'expliquer ». S'appelle Hippocrate. Un humain ? Vivant ? Un fantôme ? Mort ? J'aime bien l'humour du jeu. J'aime beaucoup l'humour du jeu. Alors, ok. Combattre. Infectio. Empoisonne un ennemi. Ok. Infectio. Let's go. Excellent. Invoque un squelette. C'est bon ça ? C'est bien ça ? Skeletos ! Squelette qui parle ? Ouais, mon blaze, c'est avec. N'hésite pas à m'invoquer. Infection. Lorsqu'un ennemi meurt, son âme tente de rejoindre l'au-delà. Si vous êtes rapide, vous pouvez l'absorber avant qu'elle s'en aille. Donc là, je dois faire quoi ? Ah ouais, ok. Ah, ok. Félicitations, vous venez d'absorber votre première âme. Absorber une âme vous donne un bonus d'XP pardon, et de mana. Et d'anima et attrapez en plein. Ok, oui. Bien. Infection. C'est bon ça. Je trouve ça très stylé. Hop là. Ok. C'est bien. Attends, c'est tout ce dont tu es capable? Tes sorts sont devenus ridiculement faibles. Oh, ça va, je viens de passer un long moment en léthargie. Il faut juste que je m'échauffe, ça va revenir. Et puis, tu peux parler, ton sort d'attaque inflige que dalle et ton soin est pourri. Dois-je te rappeler que je suis morte ? C'est un exploit pour un fantôme de pouvoir interagir avec les vivants. Par l'enfer, elle est diablement susceptible. Ok, donc là, je vais pouvoir bouger, du coup. Hop, ok, c'est plutôt fluide tout ça, c'est bien. Je veux dire les animations, hein. Parce que je vous connais, vous allez dire « C'est normal, c'est fluide, c'est de la 2D !» Ouais, c'est beau, calmez-vous. Oh ! Mais oui. Tiens, qui voilà ? Déjà fini de bouder ? Je ne boudais pas, au contraire ! Je viens te donner de précieuses informations. Mate un peu ça. Les Shrooms ont laissé des phéromones. Si on va dans ce machin noir, ils nous attaqueront. Donc je dois éviter cette fumée noire, c'est ça ? Pas spécialement, si tu as besoin de t'échauffer un peu, tu peux juste te jeter dessus, à toi de voir. Mais fais gaffe à ne pas nous mettre en danger. Nous mettre en danger ? Y'a pas de danger pour toi, t'es déjà morte. Et voilà, elle boude encore. Allez, let's go ! Infectio ! Ah oui, pardon. Infectio ! Skeletos ! Skeletos ! Ça marche bien, ça. Je vais choper son âme à lui. Allez, mon petit squelette, bute-le. On n'en parle plus. Infection. Allez, dégage. Hop là. Ah, je peux en invoquer plusieurs ? Mais non ! C'est énorme ! Infection.
Hop là, viens là. Victory. C'est bon, ça. C'est bon, ça. En tout cas, la DA du jeu, j'adore. Vraiment, j'adore. Ça change, ça tranche avec ce qu'on voit tout le temps. Vraiment, je kiffe. Et ça, c'est typiquement le genre de jeu où je me verrais bien y jouer en nomade. Que ce soit sur Steam Deck, que ce soit sur Switch. Vraiment. Même dans mon salon, en vrai, hein, mais... Ouh, je me fais attaquer direct, là. Mais je me vois bien y jouer en nomade. Ah ouais, c'est typiquement le jeu où je me vois bien jouer en nomade. J'adore ça. Skeletos. Même les petites zik et tout, elles sont cool en vrai. Hein. Infection. Tiens, dégage-toi. Oh, ça attaque là. Et viens, hop. Votre mana ne se régénère pas entre chaque combat. Utilisez-le avec parcimonie. Ah ouais. Ah, j'aurais peut-être pas dû là. Du coup, c'est absolument pas obligatoire quoi. Infection. Bleh. Et là, toi. Ok, cool. Cool, 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 cool. Franchement, bien, bien sympa, cette histoire. Hop là. Répartir points. Alors, qu'est-ce que je peux faire? De l'endurance, de la magie, de la magie. Bien, la magie. Ah, ça, c'est bien aussi. Hop, je vais faire ça. Let's go. Bien joué. Maintenant, grouillons-nous de sortir de ce château. Ouais. Mais il a l'air grand, ce château. T'aurais pas une carte? Une carte? Tu penses vraiment que je me trimballe avec une foutue carte de tous les foutus châteaux de la région? Mais attends voir. On est au sommet de la plus haute tour. Ah, qu'à prendre tous les escaliers qui descendent, pardon, et on trouvera facilement la sortie. Figé. On fait que descendre. Mais au prochain château... On va piller, je veux une carte. On peut tout faire à la souris en fait, même les déplacements. Ok. C'est cool. J'aime bien. Bon, moi j'y vais, hein. Je fais de l'entraînement. Je me retiens pas. Let's go. Oh, Cradus, il y a plus d'ennemis que je pensais. On va galérer à sortir de ce château à nous deux. Il nous faudrait des renforts. J'aime pas trop ça, mais tu comptes pas utiliser ta compétence de possession d'âme? Compétence de possession d'âme? Ça a l'air sympa, comment ça marche? Tu te rappelles pas? C'était ta botte secrète. Ah, attends, ça me revient. Je dois d'abord absorber suffisamment d'âme pour créer un réceptacle d'âme. Parfait, le réceptacle est déjà créé. Il faut donc juste que j'amène une âme sur le réceptacle au lieu de sur moi. Ça a l'air simple, essayons. Infection. Ah, il a résisté, lui. Ok. Infection. Ah, il résiste bien. Hein. Il résiste bien, les petits filous, là. Skeletos. Allez. Allez, Skeletos. Ah, oh, mais il veut pas. Hein. Il veut pas tomber, lui. Ok. Vous venez de capturer votre première âme. Après le combat, vous pourrez l'ajouter à votre équipe. Mais non! C'est stylé de ouf! Infection. Le réceptacle d'âme n'est pas prêt à absorber les âmes. Ouais, ok. Ça. Ah! Ça, il faillit pas l'avoir, celle-ci. Ok. Cool. Vous avez capturé une âme. Allez, Shrooms. Et je le glisse. En tout cas, la partie capacité, la partie même tutoriel du jeu est plutôt bien foutue. Et voilà, travail. Ce mob est mon esclave à présent. Il va combattre pour moi. Je peux aussi lui demander de nettoyer ma piole ou de me masser les orteils. Tic. Mais on va peut-être s'en tenir au combat pour le moment. Ok. Oh. C'est bon, ça. Qu'est-ce que c'est, ça? Oh, cool, on a trouvé un point de régénération. Si on s'en approche, notre groupe sera complètement soigné. Par contre,
Ça lancera une alerte et les monstres qu'on a battus rappliqueront à nouveau. Tiens, tiens. Il sert aussi de point de passage s'il nous arrive des bricoles. Ok, pigé. Hop là. Les câbles. Moi j'aime bien, il y a un truc avec un trésor d'indiqué, donc j'y vais. Hop là. Oh, il y a du monde. Infectio. Infection. Bah lui, je l'infecte tout de suite. Voilà. On attaque comme des sacs. Infection. Allez. Là, ça va le faire. Morte. Morte. Je me fais le dino en premier parce qu'il fait mal visiblement. Hop. Je crois que j'avais oublié de choper une âme. Ah, viens ici. Infection. J'en ai loupé une, je crois. J'ai pas fait gaffe en fait. Oh, attends. Ah, mais même le Shrooms du coup que j'ai capturé, il peut passer au niveau sup. Ok. C'est carré. C'est trop bien. Je peux me faire une équipe de 6. Trop trop bien. Je vais essayer de capturer des monstres qui me plaisent du coup. Allez hop. Viens là. Ouais. Allez combattre. Infectio. Bam. Direct. Skeletus. Morte. Oh. D'accord. Les attaques physiques ne coûtent pas de mana et libèrent des fragments de mana, mais elles vous mettent en état de récupération pendant quelques secondes. Ok. C'est stylé. Viens là, toi. Voilà. Bon, le Shrooms, il m'intéresse pas, donc... C'est bien, ça me redonne de la mana et tout. Et franchement, ça a l'air carré. Ça a l'air très très carré, cette histoire. Hop. Ce qu'il faut savoir quand même, les amis, c'est que les développeurs bossent dessus depuis 6 ans, quoi. Donc, c'est pas rien. Oh, lui, je l'aime bien, lui. Ah, je le veux. Infection. En plus, je peux. Morte. Bah, direct. Ouais. Je suis refait. Allez, viens, mon Skeletus. Infection. Ah, c'est bien ça, ça me permet de recharger ma mana, c'est trop stylé. Franchement, excellent. Infection. Allez hop, viens là toi. Hop là. Victory. Ok, ah, je l'ajoute à mon groupe direct lui. Cats. Très bien ça. Très très bien. Alors, qui zizi ici? Ah, bah un combat, tiens. Ah, bah y'en a encore un. Allez, The Bordu. Oh, j'aime bien. J'aime bien, je prends goût, là. Je prends vraiment goût. Eh, franchement, c'est très stylé. Très, très stylé. Allez, hop. Un shot at gamelle, comme on dit chez moi. Eh, viens là. Ah oh non, j'ai loupé l'âme. Je suis deg, elle est partie direct. Bon, c'est pas grave. Moi, j'explore, hein. Je suis un explorateur. Luc. Eh, ça valait le coup, quand même. Hein, combat. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouf, il y a du monde, me dis donc. Allez, c'est parti. Je vais mettre un squelette tout de suite. Comme ça, on est bien. Hop. Tiens, prends ça dans les lattes. Hop. Ah! Ah!
C'est bon. Morte. Ouf. Ça, c'est bon, ça. Non. Infection. Morte. Allez. Pourquoi il veut pas? Ah, il est pas... Ok. Dommage. Dommage parce que le petit dinosaure, je l'aime bien aussi. Bon, c'est pas grave. C'est un détail. Revenir ici. Oh! Ah ouais, d'accord. Ouais. Infection! Morte! Je vais le protéger, lui. Parce qu'il est pas au top. Merde, j'ai loupé l'âme. Quel con. Je pensais pas qu'il allait mourir direct. Infection. Ok, on est pas mal. Lui, il faut que je chope direct l'âme. Voilà. Bon. Et là. Je suis en train de faire le tour, en fait. Hein. Hop. Mais c'est pas pour rien. Je vais faire ça. Hop. Bien sûr, là, ça va revenir. Mais je suis pas obligé de me battre, si? Non. Si j'arrive à l'esquiver, c'est ok. Bon, lui, par contre, à mon avis, je pourrais pas l'esquiver. Voilà. Il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres. Infection. Skeletos. Morte. Allez. Je veux mon petit dino, moi. Bam. Allez les gars, on y va. Bim. J'ai récupéré full mana. Je suis bien tranquille. Allez les gars, ouais. Bam. Allez, ça dégage. Ah, j'ai pas eu le temps. Voilà. Hop. Lui, c'est direct. Eh, c'est bon, ça. Excellent. On commence à avoir une belle équipe, hein. Ah ouais, lui, je pense pas pouvoir l'esquiver, non. Oh, si. Ok. Ah, bah, il y avait une bouboule, là. Oh, j'aurais pu aller direct, en fait. Oh, c'est pas grave. C'est le challenge. Alors, est-ce qu'il y a du... Il y a du monde. Bah, chez moi aussi, il y a du monde, hein, donc là, on commence à être pas mal. Je mets un petit squelette, là, on est 6, on est bien. Allez, hop, ça dégage. Ah, viens là. Infection. Il n'y a pas d'âme, lui. Ok. Stylé. Maintenez le bouton enfoncé sur les ennemis pour drainer leur vie. Ah, c'est bien ça. Ah oui. Du coup, endurance. Un petit peu quand même, ça pourrait être bien. Force, bon, j'ai pas trop besoin, mais j'en prends un petit peu quand même. Sait-on jamais. On y va. D'accord. Équipe. Ouais, mais j'ai pas besoin là. Si, ah si. Ah bah si. Ok. Ah ouais, donc je peux les faire évoluer, mais voilà quoi. Doucement. Allez les gars. Victory.
Ok, donc là, on est pas mal. J'attends de voir un monstre que j'ai pas encore vu hein, pour utiliser mon truc. Bah, je sais plus, c'est là. Hein. Non. Qu'est-ce que je dis ? C'est ici. Ah. Au fait, comment t'as fait pour me réveiller ? J'espère que t'as pas dû me rouler une pelle. Berk, tu rêves. Et si c'était le cas, tu serais encore en train de pioncer. On m'y reprendra à faire de l'humour. Là, il y a un trésor. Oh. L'esquive. L'esquive royale. Ouais. Et du coup, je tourne en rond, là, non ? Ah non. Hop là. Bon. Oh, bah les hiboux endormis là, merde hein. Sympa ça. Infection. Skeletos. C'est bon ça. Là, viens là. Hop. Viens là. Saloperie. Allez, ça monte de niveau tout ça, c'est bon ça. Ah merde, j'ai oublié de mettre le hibou dans mon équipe. Ah, oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Genre là, on peut continuer de... Ok. Fuck. Infection. Skeletos. Morte. Ah mais sérieux, ça se barre direct là. J'ai même pas le temps. Viens là. Je prends l'âme. Viens là, viens là. Ah mince, j'ai encore oublié. Bon, prochain combat. Bon, ça va être là, je crois, non ? Même pas. Là. Ah, je casse tout, moi. Ok. Oh oh. Hé, ma pièce est enfin réveillée. Les choses vont devenir intéressantes. Ah ouais, d'accord, ça attaque... Ouyo ! Ha ha ha, je vais vous démonter, je suis le Shrooms le plus fort du monde. Ça m'étonnerait, les Shrooms bleus sont toujours les plus forts que les rouges. Quoi ? Comment osez-vous me comparer à ces nabos ? Vous allez le regretter, Vermine. Ok, boss, du coup... Je suppose. Infection. Skeletos. Morté. Allez hop. Prends chaud, Mago, prends chaud. Bref. Ok. Skeletos. Morté. Ah, je l'ai pas eu. Infection, c'est pas mal. Skeletos. Je vais faire ça, comme ça je vais récupérer un petit peu de mana. C'est pas énorme, mais ça se prend. Infection. Après, faut pas oublier que je me suis mis en facile, hein, les amis. Donc, bon. Skeletos. Allez, ça dégage. Oh, oh, l'âme là, elle est partie, mais à une vitesse. Infection.
prends ça. Olé ! Une âme de boss. Elle ne peut pas être capturée grâce au réceptacle d'âme, mais vous pouvez l'absorber. Ok. Bon, let's go. Anneau de force. Oh. Bon, ça. Par contre, je vais prendre le Owls, ici. Nickel. Ah ! Mais non ! Oh ouais. C'est bon ça. Oh, on peut. Ah ouais, l'arbre de talent et tout. Ah franchement, je l'avais pas anticipé ça. Ok, très stylé. Et voilà, c'était pas si dur. Eh la fantôme, j'ai passé combien de temps en léthargie? Je dirais un peu plus de 5 ans. 5 ans? Personne n'est venu me libérer plus tôt? Dans un premier temps, parce que personne ne voulait te voir. On va pas se mentir, créer une armée de squelettes, c'est pas le top pour se faire désirer. Ouais, j'avoue. Et puis après, ben, il y avait plus personne pour te libérer, t'es le dernier humain en vie. J'ai donc fait top 1 au grand battle royal de la vraie vie, trop bien. Arrête de te la jouer, on doit aider ces gens. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai libéré, tu vas m'aider à les ramener à la vie. Pas question, j'ai moi-même autrefois cherché à détruire la race humaine. Sa disparition m'arrange plutôt bien. Mais si tu es le dernier humain en vie, tu n'auras plus personne à qui parler. Personne à aimer. Parfait, un monde idéal, j'aurai enfin la paix. Personne pour te craindre. Personne à tourmenter. Personne à martyriser. Tu essaies de m'embobiner, ça prend pas. De toute façon, je te hanterai jusqu'à ce que tu changes d'avis. Je te parlerai tout le temps, même la nuit. Les fantômes ne dorment pas. Oh, galère. Ah, c'est bon. Dis-moi où on doit se rendre et puis ferme-la jusqu'à ce qu'on arrive, sinon je change d'avis. Promis, je serai muette comme une tombe. Bref, on va à la forêt de la Cornesse. Suis la route vers le nord et on tombera dessus. Ok. Let's go. Ah ok. Ah oui, une world map quoi. Propre. J'aime bien moi ça. Allez, combat. Oui, pardon. Infection. Skeletos. Marche. Tiens. Hop. Hop. Voilà, je récupère tout, moi. Ah, moi je combat. Hein. Ah, je vous préviens, moi ça fight. Hein. Oh, saloperie. Qui est-ce qui m'a gelé? Bon. Infection. Une âme rouge. Elle vous attaquera jusqu'à ce que vous l'attrapez. Ah ok. C'est nouveau ça. Saloperie. Nickel. Allez. Ah, à partir du niveau 5, vous gagnez des points de compétences à chaque passage de niveau. Stylé. Désirez-vous un tutoriel rapide sur les points de compétences? Oui. Ouvrez le livre de sorts, ok. Ok, voici votre total de points de compétences disponibles. Sélectionnez un sort dans la barre supérieure pour afficher son arme de compétences. Le nombre de sphères autour d'une compétence indique le nombre de points de compétences à dépenser pour la débloquer. Dépensez des animae pour réinitialiser tous les arbres de compétences grâce au bouton tout réinitialiser. Vous gagnerez des points de compétences à chaque fois qu'Ocradus passe un niveau. C'est tout bon. Bon amusement, ok. La durée de l'infection est augmentée de 2 secondes. Ça, c'est bien, ça. C'est quoi? Ah, là, il y a un petit problème.
contagion. Si l'ennemi infecté meurt alors que Infectio est actif, un autre ennemi adjacent devient empoisonné. Oh, c'est pas mal non plus. Je vais prendre ça pour le moment, mais le prochain, c'est ça. Comme ça, au moins, on est bien. Ok, de toute façon, j'avais qu'un seul point. Donc, il est mort, lui. Non ? Et il a l'air mort. Ah oui, il est mort, là. Il est pas bien, en tout cas. Franchement, c'est vraiment, vraiment cool. On va se faire un dernier combat, et puis je pense qu'après, on se quittera là-dessus. Hein ? C'est pas rigolo, ce démon. Qu'est-ce qu'il nous a mis ? J'avais bien dit qu'il fallait se méfier du démon. Mais bien sûr, on m'écoute jamais. Oh, la ferme. Les autres l'ont sûrement remballé d'où il vient. Ah, ça perd l'hypocrote. C'est encore cet humain. Il va nous transformer en démon. Vite, liquidons-le avant qu'il se transforme. Infection. Skeletos. Morte. Ta-da-da. Ouah, l'âme là, elle est partie un petit peu trop vite pour moi. Victory. Se transformer en démon ? Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Aucune idée, il divaguait. Ce serait quand même cool si tu pouvais te transformer en démon badass. Tes sorts seraient peut-être moins nuls. Ce qui serait vraiment cool, c'est que tu te transformes en pierre tombale. Oh ! Crisacier ! Infection ! Oh, ça perd pas beaucoup de vie en plus ces trucs-là, ça a l'air bien. Pas bien. Aime bien, aime bien. Je vais en capturer un. Ah ! Ah ! Viens là, toi. J'ai changé mon équipe, du coup. Le Shrooms. Ouais. J'en ai marre de le voir. Ah, on peut les renommer et tout. Alors... Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ces conneries là ? Je me suis fait pousser. Ah ouais ! Il y a du monde là. On va invoquer un Skeletus là, parce que direct. Skeletus ! Infection ! Morte ! Eh, hey, c'est pas mal hein, la petite feuille là, j'aime bien. Très 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 sympa. Oh, j'avais pas vu elle. Et là, mais saleté de conneries de merde. J'arrive pas à la voir. Horrible. Horrible. Ok, bon ça très très bien. Bon, ils ont bien fait de me pousser du coup. D'accord, c'est pas trop. Hein. Bon, on va pouvoir s'arrêter, je pense. Hein. Et voilà, la forêt de Cornes. On est arrivé à destination. Sympa comme endroit, c'est plus lugubre que j'imaginais. Et je peux à nouveau parler. Ah, ça a été dur de tenir jusqu'ici. Bon, explique-moi ce qu'on vient glander dans le coin. La forêt de Cornes, c'est notre première étape pour amener les humains à la vie.
Ah, je te préviens déjà que je peux pas faire revenir les morts vivants. Que les morts vivants. Pas un sort très enviable. Je sais bien, mais il existe un moyen de les ramener à la vie pour de vrai. Et pour ça, nous devons nous rendre à un endroit pas hyper simple à atteindre. Le royaume des morts. L'au-delà, tu comptes faire comment pour nous ramener là-bas? Si ça implique de me tuer, tu peux oublier. T'inquiète, j'ai trouvé un portail qui permet de s'y rendre en toute sécurité. Rendons-nous au cœur de la forêt, je t'en dirai plus quand on y sera. Ok. Bon, eh ben écoutez les amis, je pense que vous avez compris un petit peu où vous mettiez les pieds. Franchement, surveillez ce jeu de très très près. Oh, en plus, ça va me faire une petite save ici, c'est parfait. Surveillez ce jeu de très très près, mettez-le dans vos wishlists Steam. C'est un jeu belge. Je compte sur vous pour encourager l'initiative. 6 ans de boulot, c'est pas rien. Donc voilà, je compte vraiment sur vous là-dessus. Le jeu est super cool, super drôle. N'hésitez pas à soutenir. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao, c'était Ocrad. Et comme d'habitude, vive à fond votre passion de gamer. Ciao les amis, à la prochaine. Peace.